What's up everybody? Back to the Twilight Princess TM. Aujourd'hui, ben on a ouvert un passage d'eau avec un Garen. Je sais que ça fait quelque chose. Je me souviens plus quoi. Et en même temps, oh, Link, Chris! Oh my god! Damn. Lala, y'all motherfucker is gonna fucking die. Je ne suis pas le problème. Vous êtes le problème. Alright. Maintenant, je peux continuer, mais... Ok, ça marche juste pas. Non. Non, I'm sad. Le gars qui essaye de monter les marches avec son fauteuil roulant. Ouais, tu sais, genre du mauvais bord, là, qui veut juste monter la pente au lieu de la descendre. Ça, je sais pas. Je sais que j'ai été début de la série. Mais je sais plus c'est quoi qui trigger ce gars-là. Oh, Animoni. Well, mon gros tabarnak. Ouais, je m'en rappelle plus. Comment tu le passes, hein? Parce que chez lui, il y a un rapport avec. Bon, là, c'est la seule affaire que je me souviens de lui, c'est qu'il y a un rapport avec la médecine, par rapport avec la fille qui a perdu la mémoire à Kakariko Village. Mais, c'est tout ce que je sais. La médecine est où exactement? C'était quoi qui trigger la médecine? Ça, je sais pas. C'est ça, puis aussi quand est-ce qu'on sait à propos de la médecine. Ouais. Bon, là, Ça va faire pièce, ouais. Ça va faire mal à mes dollars. Cause you won a lot of money. Yeah, sure, 100 pièces. Mais le Spirit of Love descend. Écoute, ça fait genre quasiment 28 ans que je me dis la même affaire, mais que ça fonctionne juste pas, mon pit. Ok. Take all of it, man! Oh ouais, let's go, man! Yeah! Yeah! Ce gars-là, il va me donner de la fucking... Wait! C'est juste 500? C'est juste 500? Bruh. Ok. Pour littéralement Hyrule Castle qui est littéralement à côté, man. Your prayer have reached the sky above. Ah, well! Oh, moi, c'est juste 500. Soit que je me trompe, pis que dans l'original, c'était 500 au lieu de 1000. Ou bien, c'est peut-être une logique. Ouais, ou bien, actually, le randomizer, ils ont fait faire en sorte que ce soit moins PD. Ah, c'était les gardes de Dark Souls 7, man. Il manque juste le gros soleil au lieu du Triforce dans leur chest. Celui avec l'eau, man. Father is all better, he can work again. Ok. Il est ici ton père. Je veux pas te parler, toi, avec la coupe de Justin Bieber. Oh, I remember you, brother. Open up, yeah. Yeah, special price on that spring water. Je pense qu'il faut une bottle. Ouais, ça te fait une petite bottle. J'ai quoi? Rare Tudor Lily, Lenten. Mais je me rappelle pas exactement ce que tu dis. Ou à qui tu donnes l'eau, là. Je pense que je m'en souviens, actually. Puis il est juste dehors. Fait que je vais me dépêcher. Tu dois lui donner à boire, genre. Ouais, parce que c'est lui qui va comme déloger la meurtre de Roche. Mais là, en ce moment, je suis en train de me poser la question de pourquoi je suis en train de faire ça en ce moment. Parce que. Il me semble que c'est des. À moins qu'il donne un prix pour ça, là. Je sais pas. Hey, on empire! J'ai de l'eau, man. Yeah. C'est juste pour toi, man. Hein, tu peux mettre ça dans tes culottes, c'est-tu. Comme une bouillotte. Un power go, yeah. Il vient de boire sa potion magique. Littéralement. Tu sais que je peux faire ça et tout, hein? Ah, oh ouais, tu me fais ça actually, man? Non.
Ok, m'a te laissé faire, I guess. Ouais, je pense que ça prend une couple de endgame. Genre des Night Cycles. Pour que ça se fasse, je pense. Maybe. Pis je sais aussi, ici, on va me changer en loup. Parce que. Encore une fois, ça, c'est quelque chose qui trigger dans le jeu. T'as comme des genres de loups. Squelettes, si on veut. Pis eux autres, ils ont comme quelque chose avec la fille qui a perdu la mémoire. Avec un carcau village. Mais genre, il faut comme tu sois en loup ici, mais encore une fois, je sais pas c'est quoi le trigger pour ça. Ah, je pense pas qu'on est assez avançant dans le quest pour pouvoir faire ça. Maybe not. Pourquoi j'entends de la musique d'ennemis là? Ouais, attends! As-tu fait ce chest là? Chris, non. Non, parce qu'on avait pas le hook. Ok, bon ben, calice, on va faire ça tuer. Ouais. En fait, je pense qu'il y a deux chests ici. What? Ah. What the fuck, bruv? Ok. C'est quoi ce style de. De PD. Ouais. Ouais, y'a un chest là-bas, pis y'a un chest ici. Ouais. Bon, ben, y'a un chest là-bas en premier. Nice. Alright. Ok. Il faut que tu sois fort des mains en tabarnak pour faire ça, man. Mais ça me rappelle une sortie en secondaire 3. Quand que. Malheureusement, c'était mon troisième option. Puis ils ont décidé de prendre ma troisième option, gang de fucker. Éducation physique option. Ouais. This was shit. T'as pas eu. PPO. Vas-y, parce que l'autre. Ah, ça c'est PPO, puis l'autre c'est R, right? Yeah, mon number one c'était PPO. Nice. Pis mon deuxième c'était hors plastique. Ça m'en a dit parce que quand toi t'es arrivé sur la R3, ils avaient enlevé le programme de musique à ce point-là. Sur la 1 pis 2, je suis en hors plastique. Ouais, mais genre avant il y avait une option aussi pour musique, mais ouais. PPO a pris la place de musique. Ok, ok. Pis les seules personnes qui étaient en musique, c'était les personnes qui l'étaient déjà avant. Pis ils ont comme continué avec un truc spécial là. Ça fait genre une classe genre d'une vingtaine de personnes je pense. Genre en musique avec Boucher là. Ouais ouais ouais. Mais genre tu sais c'est comme ils ont décidé de me donner la troisième option gang de fucké. Pis là ouais, parce que genre tout le monde voulait aller en or pis en PPO là. Ouais. Oh tabarnak. Pis on a eu une sortie, c'était escalade. Moi, être honnête pas avec toi, là, je suis zéro capable de faire de l'escalade. Pas parce que j'ai le vertige, parce que j'ai pas de motricité ou ben de prendre les pions assis sur le mur. Oh non, t'as besoin d'avoir la force en tabarnak d'un type des doigts, là. Ouais, tu sais, c'est comme, comment tu veux bien que je monte quand tu me donnes des assis de poids comme forme, genre, de pour monter sur le mur. Là, les autres sont comme, ouais, écoute, je vais te donner des lunettes noires pour que tu vois pas. C'est pas la hauteur, mon est-ce de problème! Fuck! Mais, ouais, non, c'est comme. En tout cas, c'est cette sortie-là qui m'a fait faire apprendre que j'aime pas vraiment l'escalade. Puis la deuxième sortie qu'on a eue, par contre, était vraiment fucking le fun. Honnêtement, c'était plongée sous-marine au stade olympique. Au stade olympique. Ouais, il faut bien que ce stade-là serve à quelque chose, aussi. Je peux-tu? Le range. Oh, je vais avoir le range en tabarnak, bruf. Oh, non. Nice! Oh, okay. GG! C'est ça! Ah, bro, tout ça pour une clé que je peux même pas m'y rendre, esti. Oh, m'en me noyer.
Il m'a fait de la plongée. Ah! On va faire de la plongée sous-marine, aussi. Non, pour vrai, parce qu'en plus d'avoir éducation physique normale, ce qui était deux cours sur 9 journées, genre. Éducation physique option, c'est 4 cours sur 9. C'est vrai, on avait des fucking cycles de 9 putain de crises de jours. Yeah, ça fonctionnait sur 9 jours. Puis Je me demande si c'est encore comme ça aujourd'hui, parce que qu'est-ce que c'est bizarre pis ça confuse que le calice. Faudrait que je demande aux gens avec qui je travaille, vu que la majorité là-dedans sont jeunes. Ouais. Est-ce que c'est bien mieux avec le cégep, ou est-ce que c'est un horaire par semaine qui reste la même chose à chaque semaine? Ben oui. Parce que ça te pratique aussi à faire un horaire plus normal, comme si tu travaillerais. Hein. I guess que la raison pourquoi ils ont fait ça comme ça, c'est parce que genre, des vendredi ou lundi pédagogique, c'est genre... Il y en a en tabarnak, ouais. Puis là, après ça, ben... parce qu'ils ont beaucoup plus de fucking, genre, de cours variés, là, à chaque année, là. Ouais, tu sais, comme mettons, si t'avais un cours de français un vendredi, tu serais content en tabarnak. journée pédagogique la moitié du temps, fait que... Peux-tu m'envoyer dans le désert, esti? Whatever, je voulais même pas le payer, esti. Je suis juste désespéré pour... Whatever. Wait. Maybe not actually. En le payant, si ça vient de me faire penser à une place qu'on est kind of sort de proche en plus. Puis je pense qu'il faut le grappin pour progresser. Ça, l'affaire, c'est que dans le world map, je sais pas utiliser le grappin. Ouais, c'est pas mal. Tu sais, la caverne qu'on avait faite avec le Fire Temple, le dernier épisode, ça, je m'en souviens vividement. Comme ici. Genre, je me souviens, j'ai passé ici le dernier épisode. Puis, je sais pas, y'a-tu un chest en haut de ça? Maybe, esti. Peut-être. Hey, y'a un chest là, en tout cas. Dans le trou. Je sais pas si tu l'as vu, là. Ouais. Bon, j'ai deux moyens whack. Soit que je curve la balle. Ok, on va curve la balle. yeah, let's go. Oh, fuck off. Moi loin. Ouais, normalement, c'est genre, il faudrait une Dominion Rod, pis whatever, là. Je peux-tu toupie mid-air, là? Je pense pas. Genre, je saute, pis après ça, je toupie. Je sais pas. Non, ça fonctionne pas. Ok, d'abord, j'ai peut-être une troisième idée. Ok. Si j'ai une chance avec une item, ça va être justement la toupie. Oh, for fuck's sake! Je réessaie une dernière fois. Je suis cocky en tabarnak pour ce genre de bullshit-là. T'sais, là, je suis comme dans mon élément de « Ah, ça pourrait kinda sort de fonctionner. » Non! Je réessaye! Bro, almost. Je réessaye, j'ai juste lâché le bouton, j'ai lancé le trigger trop vite, man. Don't care! Ah, tu peux curver ta trajectoire quand tu falls là-dedans. Ouais, c'est ça que je voulais dire tantôt par curver à la bat. Fuck you, Link, man. Don't do that ever again. Ok, Bruh! Do you think I give a fuck? Nah! Oh ben tabarnak! Ah, on dirait qu'on a pas le bon bag pour Non. Pour le mettre dedans, par exemple. Je pense que c'est le premier des autres qu'on trouve. Ouais, je sais, ils sont pas mal assez rares. Pis, to be honest, je me souviens pas des avoir ever utilisés. Je pense que ça agit comme des bombes choux, genre.
Ah! Oh, pis si. Ils font juste coller sur les surfaces ou s'ils jump? Ça, je peux pas te dire. Parce qu'ils ont. Je pense même pas qu'il y a un seul endroit qui sont absolument genre nécessaires. Ça, je peux te garantir que non. C'est ça. La majorité des places que. Qui serait plus facile d'utiliser, tu peux juste. C'est une bombe normale, timer ta shot puis la lancer au bon moment pis qu'elle explose du midair pis t'es correct là. Ou utiliser ça. Oui. Your chest là! Par où que je monte à cette heure? Wait. Y'a pas un. Que je me fais lens flare tabarnak. Yes! Oh. Wait. Ouais, ça tu peux. Alright. Alright. Come on, donne-moi le double grappin. Non, ben, pff, même encore là, le double grappin, si. Je sais même pas s'il aiderait à progresser. Il va l'air d'avoir une grotte là en plus. C'est une couple de. Trucs, hein? Oh! Je me demandais au début à quoi ça servait! Do you know? C'est pour donner à. C'est aux de mail, mais je me rappelle plus qui exactement. C'est littéralement qu'est-ce que j'ai fait au début de l'épisode! Essayer d'aller dans le désert! Oh ouais. Oh, that's a game changer! Chris, fait qu'il fallait aller dans le temple de feu pour découvrir le site grappin pour pouvoir progresser dans le désert. Plus il fallait. Des bombes. Les bottes. Fait qu'il fallait nécessairement 3000 fucking rupees plus pour progresser dans ce site randomizer là. Tabarnak. Ça, j'aime ça, genre refléter toutes les actions qu'on a faites pour en arriver jusque-là. Hé, hey, toi, viens, t'es ici, mon gros fat fuck. Comment tu peux être fat si c'est juste fait de squelette? Don't ask me. Fatty bones. The bones are fat. Comme Sans Undertale. Where the fuck is this now? Ah oui, un trou noir. Ça faisait un petit bout qu'on n'a pas vu une. Yeah! Moins d'éditing pour moi dans pour mon futur historiugitra. Parce que éditer ça à chaque fois quand j'en trouve un, c'est pas chiant, c'est juste time consuming. Rien d'autre. Nah. Oh tabarnak. Baby, let it rip! Si j'ai l'air de jouer à Space Cadet Pinball, là, c'ti. Y'a rien ici. Making fucking sure, là. Pas de l'air. Nah. Bon, je peux-tu me téléporter? Fuck you! C'est quoi tu dis? Non. Hurry, let's get the mirror. Oh, the fuck. Time to was si rough. C'est absolument pas accurate. Because si tu vas avoir le char, ce sera certainement pas ça. Pis techniquement, il a même pas encore le masque. Ouais, pour pouvoir passer ça qui nous attaque. Bon, ben Chris, je m'en vais dans le Sahara, mais. Peut-être aller faire mon temple préféré de tous les temps. Parce que le Arbiter's Ground is pretty, pretty cray ass temple, man. FR, no cap. God. Oh God. Toi, t'as-tu ton temple préféré de tous les temps? Si tu t'en souviens, of course. Je sais pas exactement si j'en aurais un préféré. Je pense que toi, tu m'avais dit que Ocarina of Time c'est ton préféré, right? Dans les jeux Zelda, là. Ouais, en termes de nostalgie, là. Tiens, mon pied, du papier.
Oui. I guess I don't know what old coot says. What is this flight? Yeah, sure, parce que je vais probablement découvrir un téléporteur là, man. Puis, je vais plus te payer après. Ça me rappelle tous les différents donjons. Que. Les différents jeux. Moi, je pense que mon. Ça me rappelle des donjons de Skyward Sword. Il y en a sacrément qui sont trash dedans. La seule affaire, c'est que les items sont good. Il y a des good items dans Skyward. Mais la majorité des autres trucs sont trash. Ah, moi, je trouve que c'est le contraire, bizarrement. Genre, des crises de dungeon. Genre, les donjons en général, dans Skyward, je les adore. Comme le site donjon de bateau. Le un des seuls Water Temple que j'aime, genre, qui fait genre référence à une grosse statue Bouddha. Puis là, t'as comme le royaume des morts au sol, genre. Je sais pas si t'en souviens de celle-là. Ouais. Bon, il y a deux Fire Temple pour I don't fucking know why. Il faut que tu battes trois fois le final boss, là. Ouais, le comment il s'appelle, le dude de toute noire, là, In Prison. Ouais, le In Prison, ça c'est de la fucking merde. La crise de cochonnerie, là, peut-être trois fois, il se tabait ses toes, là. Pis à chaque fois, il te fait de plus en plus chier. Genre, t'as littéralement un boss, sinon c'est genre Mike Wobowski, whatever, de Monster Inc. sinon, un assez de boss que je trouve affreusement laid. En fait, moi, c'est ça mon problème avec Skyward Sword. Le jeu, il est laid. Non, j'aime pas le art style. Ça, c'est c'est sûr que c'est subjectif, là. Malgré le couple d'années qui est sorti plus tard après Twilight Princess. Il est pas un des plus beaux Twilight Princess, mais vraiment pas, hein. Non. Genre, observe Zelda, là, de face. T'as-tu déjà joué à Baldi's Basic? Yo, c'est la même fucking face, man! Baldi's Basic? Oh, what the fuck? T'es fucking Zelda? Ok, v'là le fucking slingshot. Tu fucking mixes! Tu fucking mixes les deux restes, ils ont la même fucking face, bruv! C'est laid, man! Minois dans le slingshot, wouh! Let's be honest, dans Skyward Sword, la waifu, c'est Fia. Ah, la compagnon de ton épée, genre? Ouais. Elle est trash, c'est probablement la pire compagnon de toutes les Zelda ever. Pire que Navi, maintenant. Au moins, elle est good looking. Tu trouves? T'as goût de son design est correct. Son design est correct. Tu peux entendre le design, là. Yeah, sure. Mais je la fourrais pas. C'est plus intéressant que Navi, là. Je la fourrais pas, par contre. Le mon problème avec elle, c'est... Hey, Master! 99,9% de chance que la réponse soit ça! Hey, Master! 100% de chance que tu vas pas fuck Zelda à la fin du jeu! Master! 30% de chance que c'est... Zelda est pas là! Master! Tes batteries sont déplites, man! Va changer les batteries de ta Wii Remote, tabarnak! Oh! Ouais. Je pense pas que tu n'as vu, là. Hey! Listen! Hey! Voilà, les deux sont listen! Je pense pas que c'est bien mieux, là. Yo, j'étais sur un temper tantrum là-dessus, man. T'as eu des PTSD Vietnam flashback. Un autre truc que j'aime pas de Skyward Sword, c'est le fait que tu commences avec ce score. Il est plus facile que certains autres jeux. Là. Ça veut dire que t'enlèves trop donjons. Ou t'enlèves de l'exploration parce que t'aurais pu mettre plus de corps de cœur. Parlant d'exploration, le sky, whatever, là où c'est que tu te promènes avec ton oiseau, il est inintéressant. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose. Le match des trucs, c'est quand tu t'en vas bolo dans. Ça la map. Là. Bon, j'ai donné assez de négatifs, maintenant allons-y pour le positif. Le upgrade system des items est quand même assez original pis cool. J'aime bien le Skyloft. Skyloft est cool, mais le seul problème, c'est qu'il y a juste une seule fucking ville dans les cieux. Ouais. Fait que toujours à la même place, t'as pas de... beaucoup de différents endroits à aller voir.
Les donjons, je les ai aimés, comme j'ai dit. Les boss sont hit or miss. Mon, un de mes boss dépend, préférés. Ça dépend, c'est genre quel boss. Genre, t'as besoin de battre avec quel item, là, vraiment. Là. Ouais. Un de mes boss préférés, ça restera toujours. Tu sais, le petit dude avec 6 bras, genre doré, pis il faut que tu voles littéralement son arme, pis là, après ça, il faut que tu. Faut que tu le matraques avec son arme, là. Ouais. Ah, je peux pas, man. Ah, il faut un. Ah, il faut un. Pumba. Un Pumba, where the fuck are you? Je pense que je l'avais vu en plus. Ici. Ah, y'a un chest là. Fuck! Bruh! Elle savait en tabarnak si t'essayerais pis tu m'offrais. Yo, I am the game tester. Allez, viens à toi. Là. We got some chest to recall thing. Sinon, les side quests sont ok. Sont cool, I guess, dans Skyward Sword. Pis, I think that's it. Les systèmes sont. Ok. Comme j'ai dit aussi, le fait que tu peux les upgrader, c'est bien cool. L'affaire, c'est aussi, que. Aussi, t'as le best, worst rival in any other game ever. Graham? Non. Actually, the Groose, baby! Oh my god! Ouais, ok. Groose est cool en tabarnak. Nice. Guy Araim, justement, il est ok. T'sais, je le déteste pas, mais c'est loin d'être mon antagoniste préféré. C'est littéralement un vilain d'animé. Hein. Ouais. C'est littéralement Hisoka de Monster Hunter. De Hunter Hunter. Hunter x Hunter. Ouais, sugar tout le monde quand je dis ça. Il y a un dude à Jeff justement, genre, parce que tu sais. J'écoute pas d'anime, tu le sais. Là. Puis, genre. La seule raison pourquoi j'en connais beaucoup, c'est justement à cause de vous autres. Tu sais, comme vous parlez. Moi 6 à cause des deux Yann. Joël, ouais, Sam. C'est ça. T'sais, je sais c'est quoi Gurren Lagann. Je sais c'est quoi. Fucking. Je sais pas, man. Whatever. Oh, what the fuck? Oh! Damn! There we go. Ouais, man. Fait juste que. Change de biome. La Kilia. Ah, Chris, on peut faire le tome de l'eau. Oh, tabarnak. Mais ouais, non, c'est ça, tu. Les animes, j'ai mon fair share de connaissances à cause que, bah ben, tu j'ai tout, littéralement tous mes amis écoutent ça. Yohan inclus là-dedans, fait que... Mais, justement pour le faire chier, tu sais au début j'ai dit comme, ah tu sais, je sais par de nom c'est quoi, mettons, tu sais, j'en ai des animes, pis là j'ai dit Monster x Monster. Hunter x Hunter. Pis là le gars il est comme, tu prononces pas le X. Je suis comme, ok, got you. Il y a beaucoup de trucs au Japon où est-ce que ils mettent like, des cross, ils mettent des X, mais genre, ils les prononcent jamais dans les titles. Là, je suis comme. Mais j'entends bien souvent du monde dire X ou juste appeler ça cross. Ok, ouais. Mais là, je suis comme mon dude, ah, ok, got you. Pis je le fais chier avec ça toutes les fois. Hey, t'as-tu vu à chaque fois, t'es Hunter X? Hunter. Hey, t'as-tu écouté le dernier épisode de Hunter X Monster Hunter Monster je sais pas pourquoi fucking c'est, Monster oh, c'est Hunter. Confusing à cause de Monster Hunter. J'ai Monster Hunter en tête aussi. Mais pas te le cacher là, le site des heures là. Je connais rien. T'es chier. Ouais. Parce qu'il est crissement gros avec crissement beaucoup de directions où aller. Avec aucun repère pour savoir ce que tu dois aller. Ouais. Tabarnak. Parce que je le sais que. Comme la grotto de tantôt qu'on a découvert le slingshot dedans, je pense qu'il y en a deux ou trois dans tout le désert. Hein. Ah, pis c'est vrai. Ouais, c'est... pis sont dans des places bâtons, là. Je sais pas si Techman est le soir. J'aurais dû faire en sorte que. C'est des fantômes. C'est un fantôme, ça, là? Ouais, il y a quelque chose qui brille, man.
Remets-toi le son, Chris! C'est pas que ce soit une bébite en plus. En tout cas, je vais mieux les voir le soir. C'est un gun? What the fuck is this? C'est un 9 mm. Ah non, c'est une map. Yep. Fucking Link, c'est vraiment dans des airs. Gang, gang! Tu sais le truc qui dépasse. Tu sais le truc qui dépasse de la map, genre? Je pensais que c'était le trigger d'un gun, esti. Link découvre un Glock. Alright, écoute. Ça, À place d'être Link to the Past, it's Link to the Neighborhood. Link to the Hood. Link to the Groove. Grove, excuse, Grove. Parce que Groove, c'est complètement différent. Dominion. Ouais. What the fuck? Ah, c'est un portail. Et en parlant de portail, je peux-tu me téléporter ici, ta star? Probablement. Non. Non, il y en a. Fait, faut que j'en trouve. Pas directement activé. Ouais, parce que normalement, il y en a au moins. Deux, je pense, dans le désert. Ouais, y'en a une couple. Oh, wait. Faut juste que tu trouves où ils sont. Faut que tu trouves une spot. Tu vas avoir une cache qui va apparaître. Faut que tu tues les Shadow People qui vont pop. Pis. Whoops. Alright. Je pense qu'en plus, c'est en haut ici. I think. Parce que en haut ici, tu sais, c'est la place où c'est qu'il faut. Oh my god, c'est la place de 50 étages. Oh fuck. Est-ce que tu sais de quoi je parle? Non. Je vais en couper le désert tant que ça. Ah, c'est ça. Genre, à un moment donné, il y aura un ennemi gauntlet. Il faudra que tu fasses comme 50 floors. Sans mourir. It's pretty shite. En espérant qu'on soit obligé de le faire. Dans mon randomizer de Wind Waker, il y a le même genre d'affaire, justement. Lui, il était nécessaire. Tabarnak, bro. Ouais, faut juste espérer que nous autres, on n'aura pas d'items qu'on a besoin dedans. Non. T'sais, t'as-tu déjà joué à Wind Waker? Un petit peu, mais c'est un des Zelda que j'ai jamais vraiment. T'es bien, bien loin dedans. Yo, le terrain est tout petit, man! J'arrête pas de cogner le mur! Ok, toi, tu crèves. Right. Mais je pense que de tous les jeux Zelda que j'ai joué, lui que je dois avoir le moins de progression dedans ever, c'est. Lequel? Oracle of Ages, je pense? Je les ai jamais joués aux Oracles. Non, j'ai un des deux. Mais ça me semble que c'est Oracle of Ages que j'ai. Pis, tabarnak, ils sont durs, j'ai jamais terminé. J'ai toujours été bloqué. Je pense que j'ai essayé de replay genre 7 fois. J'ai toujours été bloqué à la même place. Il y a. Ça, la seule affaire que je sais par rapport aux deux, genre, j'ai jamais joué, mais il y en a un qui focus sur les puzzles, pis il y en a un autre qui focus sur les combats. Pis. Je sais plus si. Je pense c'est les puzzles. Ouais, parce qu'il y en a un des deux qui disent tout le temps que. Il y en a un des deux que les dungeons sont durs, vraiment puzzly. Pis l'autre s'est focusé beaucoup plus sur les combats. Je suis même pas sûr si je me suis déjà rendu dans un fucking donjon. Parce que tabarnak, ils sont pas trouvables. C'est quoi la dernière fois que t'as joué? Ah, oh, fait des années, là. Toutes les fois que j'ai essayé, là, j'étais en bas de 14-15 ans. Là. Où est-ce que non seulement genre mon anglais était à colissement fucking chier. En plus, j'avais le smallest brain qui existait. Là. Ben, tu sais, c'est ça. Probablement, si tu y rejoues aujourd'hui, probablement tu vas trouver ça comme étant une joke. Là, mais, tu sais, mettons, quand on avait 13-14 ans ou whatever. Ah, parce que dans le jeu, il n'y a pas aucune colise de direction qui te dit où est-ce que tu dois aller là, genre. Il n'y a littéralement aucun hint. C'est ce que je me rappelle la dernière fois que j'avais essayé. Il n'y a genre aucun hint qui t'indique où aller. Ben, ouais, non, mais c'est ça. Mais, tu sais, comme vu maintenant, tu rejoues, mettons, on va dire. 30 ans, on va dire.
Probablement que tu vas plus être capable de jouer à ces genres de jeux-là, justement, parce qu'on est plus gamer, I guess, là. En tout cas, moi, quand j'avais 14 ans, je suis retardé comme le Chris, là. Genre, tu sais, comme... Bah, donc ça a pas super changé, cet aspect-là, là. Genre, exemple... Banjo-Tooie. Genre, je rejoue sur ma chaîne, mais c'est blind. Mais la raison ouais. pourquoi c'est blind, c'est parce que j'y avais joué quand j'avais 14 ans. La seule fois de ma vie, j'y ai joué. J'étais retardé rare là, quand j'ai joué à ce jeu-là, parce que j'ai jamais été loin, parce que je comprenais pas quoi faire, whatever. Aujourd'hui, j'y rejoue, puis je suis comme, Chris, mon moi de 14 ans, il était juste tabarnak mon cave, là. Genre, les puzzles sont pas si durs que ça, finalement. Fait que je sais pas si c'est parce que j'ai eu une mauvaise journée ce jour-là, ou... Puis Tooie est considéré un petit peu plus dur que Kazooie, je me semble. Tooie est plus dur parce que c'est plus Metroidvania. Genre, Kazooie, c'est genre Mario 64. Puis Tooie... c'est très Mario 64. Ouais, Tooie, ce serait comme genre Metroid Prime. Plus de collectatons. Ouais. Parce que l'affaire, c'est que Banjo-Kazooie, techniquement, tu rentres dans un monde, tu peux tout finir. Ouais, tu peux 100% le monde avant de... Avant de décoller. Ou quasiment, là. Ouais. Quasiment... Il y en a certains que t'as besoin de... Il y en a certains que t'as besoin d'une certaine habilité que faut que tu trouves Bubbles, là. C'est ça. Les certains, c'est genre... Freezy Peak pis Gobi's Valley, parce que... Il y en a un qui l'aide dans l'autre, et l'un l'aide aussi dans l'autre. Mais c'est ça, il faut... faut t'es pas aussi... Comment il s'appelle, le level avec les saisons, là. Ah, ça c'est le dernier, fait que t'es en masse ouais. correct rendu là. Ça, mais tu dois genre aller dedans puis revenir genre plusieurs fois parce qu'il faut que tu fasses toutes les saisons, là. Ouais. Mais c'est ça, mais c'est tout le même monde, techniquement. T'as comme le hub des saisons, mais quand t'es dans le hub des saisons, c'est, t'es rentré dans le monde, genre. Je pense que je vais arrêter ça là, man. Je viens de buster le temps. Si je viens d'en voir le recording, je suis comme 38 minutes quasiment. Damn. Dernière affaire! Je sais pas c'est quoi qu'il y a là-dedans. Juste de l'herbe à poux. Oh my fucking god. C'est genre le chat à Yann qui m'attaque. Là. Big Chungus. Je m'ennuie de son chat. Il était actually cool. Contrairement aux trois chats qu'on a dans cette main. Tabarnak, Bruf! Wow! On a mangé du gâteau! That's a big boy! It's Big Chungus, bro! Yes. C'est sûr qu'il va avoir quelque chose ici. Là. En mangeant de la gelée, man. Damn. Et voilà, bro! We good? What the f... C'est pas tout... Oh, un chest, là. Oh, le schmad, là. Le schmad! We did it that for nothing? Oh! Oh, mad! Wow. Ok! Je pense que c'est la grotto que c'est le plus. Chobay! Oh my god!